La rencontre du président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Le président Alassane Ouattara et son épouse en France pour des vacances. Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara sont en vol pour la France à la rencontre du président Emmanuel Macron. Voici la réaction de Jean Bonin à ce sujet. Le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara s'en vont en vacances en France, selon Jeune Afrique, alors que plusieurs institutions sont en vacances en raison de la démission ou de la disponibilité de leur titulaire, le président Ouattara. C'est le cas notamment des postes du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social. Avec le départ en vacances de M. Alassane Ouattara, il y a un vide institutionnel au sommet de l'État ivoirien en ce moment. C'est surréaliste. Le président Afi s'engage à supprimer certaines de ses institutions budgétivement. Inopportune et improductive. Rappelons que le président Alassane Ouattara a pris son envol hier, 26 août 2020, à la rencontre du président Emmanuel Macron via son troisième mandat en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara en France. Avant l'arrivée du président Alassane Ouattara en France, Guillaume Kibafo-Soro écrit à Emmanuel Macron et fait de terribles confidences. Guillaume Soro ne lâche pas l'affaire. Exilé depuis la France, le député de Fékézé-Dougou veut absolument empêcher Emmanuel Macron d'être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, alors qu'une rencontre décisive est prévue début septembre entre Emmanuel Macron et son homologue ivoirien. Le patron des souristes a écrit une lettre au locataire de l'Elysée. Guillaume Soro envoie une mystérieuse lettre à Emmanuel Macron. Une rencontre capitale est annoncée début septembre entre Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara. Les deux hommes politiques devront s'entretenir autour de la question du troisième mandat du président ivoirien. Pour rappel, le chef de l'État de la République du Côte d'Ivoire, après avoir annoncé qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, a fait volte-face suite à la mort tragique de son défunt Amadou Koulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Et pourtant, il avait reçu les félicitations du président français, son Excellence Monsieur Emmanuel Macron. Je salue la décision historique du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, l'homme de parole, l'homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ce soit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire donne un grand exemple dans le monde entier, avait-il écrit le président français sur son compte Twitter. Selon une note de la présidence de la République ivoirienne, Alassane Ouattara s'est envolé pour la France le mercredi 26 août 2020. Le président Alassane Ouattara en France pour la rencontre d'Emmanuel Macron.